I wish sometime I'd never be born at all. Ta gueule! Ta gueule! Salut les gamers, bienvenue sur Other, Her Loving Embrace, qui veut bien sûr dire l'autre qui l'embrasse avec amour. You can be, do what we want to do. Habituez-vous à des traductions pourraves anglais-français, parce que c'est ce qui va se passer pendant tout le live. C'est un enchaînement de bonnes surprises. Et vous voyez un morceau d'être humain, j'ai tué quelqu'un, je l'ai mis à côté de moi. Voilà, c'est mon doigt. Salut! Bonjour! Mon nom est Gersham. Je vis dans un château super cool, dans un endroit qui s'appelle Chestertown. J'aime beaucoup dessiner, lire et jouir. Enfin, j'ai pas vraiment le droit de jouir dehors maintenant. Mais c'est pas de ma faute cette fois, je vous promets! Wallah, c'est pas moi. Des méchants esprits foutent la merde, ouais. Ils n'arrêtent pas de nous faire chier, de faire peur aux animaux, et ils attaquent même les gens. Les esprits sont pas tous méchants. Mais la plupart d'entre eux foutent la merde. We need to build a wall. Enfin bon, depuis quelques jours, j'ai rencontré un mec super cool. Il a un plan pour nous sauver. Et il veut que moi, je sois dans son équipe. Il est vraiment impressionné par ma magie. Ouais, j'étais impressionné si t'étais pas en train de dormir, connard. Quoi? Allez, il faut se réveiller, connard. Puis on s'est tous les deux traités de connard. Je leur tâtera. Vous inquiétez pas, ce sera ça tout le long. Oui. Bonjour. Alors pour se déplacer, on peut courir. Wow. Alors pour l'instant, on a deux actions, à savoir attaquer avec la hache et faire une bulle. La bulle magique. Alors, Zelindy. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais être poli ou je devrais lui enculer ses grands-morts. On commence par être poli peut-être. Bonjour. Oh, je devrais me lever. Le connard. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Lève-toi, connard. J'ai mal! Ok, j'y suis. Et pour le vrai cette fois? Ah ouais, mais où est-ce qu'on marche, en fait? Oh bah... dis pas que t'as déjà oublié. Tout est écrit dans ce bouquin. Attendez une minute. Est-ce que ça vient de la librairie? Ouais. Vous n'êtes pas censé les prendre avec vous, hors du château? Est-ce que vous avez demandé? Oh, moi? Bien sûr. On est en train de chercher une source de l'énergie magique qui s'appelle Lay Point. Très bien. Le sorcier vous rejoint. Il est derrière vous. Il a trop la flemme pour se mettre devant, d'accord. Yes. Biscuit. Yam. J'aime les biscuits. T'es sûr que tu vas pas regarder sur ton téléphone comme tout le monde? Juste un truc que je vais vous montrer aussi sur à quoi sert la bulle. Quand on met un truc dans la bulle, on peut le pousser comme ça. Tac. Est-ce que c'est un outil surprise qui nous servira plus? Est-ce qu'on peut les attaquer en premier? Ah oui. First strike. Et donc voilà, alors premier combat. Ta gueule. Actuellement, il ne peut pas bouger parce qu'il est dans la bulle. Ce qui est vachement pratique parce que normalement, ce monstre est censé bouger, je crois. L'ennemi attaque le wizard. Oui, je me balance, et nous balançons. C'est vraiment super stylé, le système de combat. Je préfère Gershom contre Sens. Oui. Les violeurs vont s'en s'enfuir. Ça a l'air vachement sérieux. Ah, c'est juste une suggestion. Allez, on continue. Ouais, on devrait pas de bannir tous les violeurs, hein. Oh là là, quelle énigme. Alors, j'avoue qu'ils me prennent un peu pour un enfant. Est-ce que tu sais c'est pourquoi tous ces boutons sont là? Duh! I'm the bad guy. C'est pour la sécurité, pour empêcher les enfants de venir, tu comprends? Ah bah oui, désolé, c'était un peu con comme question. Oh my gosh! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes chez Barack Obama. Encore une étagère avec... Oh. Attends, ce truc a plein de rations militaires! Attends, regarde... Non, ça doit être dégueulasse, mais Oh, ce biscuit là a l'air vachement bien. Yam, j'aime les biscuits. Chat. Je vous connais pas, les gars. Putain, par contre, ses yeux, ses yeux, ils font peur, du coup. Ah, voilà, ils ont commencé à nous demander à nous servir de notre cerveau pour de vrai. Ah, c'était marrant. Ah, je te jure, si je vois encore une de ces choses, la con, là, je vais péter un câble. Est-ce que tu fous de ma gueule? Oh putain, j'avoue que là... Ah, enfin, on y est. Ah, c'est cool, hein. Qu'est-ce que... What the fuck, les amis? Salut. Ouf. Il est tombé. Niquez sa chatte. C'est parti. L'ami attaque le bizarre. Tu
Colère. Quoi? Déjà si fort que ça se joue. C'était level max. Ouais. Que c'est le premier donjon. Ah. Qu'est-ce que c'est que tous ces rochers? Comment est-ce qu'on est censé passer au travers d'un rocher? On pourrait pas l'escalader par exemple? Non, c'était impossible dans un jeu vidéo. Je pense que j'ai senti un nouveau pouvoir s'éveiller en moi tout à l'heure. Oh bah ça tombe bien alors. Tada! C'est cool hein? Incroyable. Waouh, c'est vraiment drôle! Je pense que je vais tomber malade. Au moins, il s'est un peu calmé. Oh. Oula. Ouais, il fait tout noir. Voilà, c'est Undertale. Tu te crois drôle? Hé, tu te crois drôle? Qu'est-ce que... Quelqu'un... arrive? Alors... c'est ça ma récompense pour ma patience? Hé, mademoiselle... je vous ai posé une question. Une question. Parce qu'en anglais, y'a pas de genre. Gershom, on va se la faire. Oh. J'espère qu'on va pas la... J'espère que je vais pas la poutrer comme l'autre boss. Ça me fera un peu chier. Ah bon, d'accord. Ça se fait. La brille. Gershom. Tu sais, regarde, à propos de tout à l'heure. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah. Sorcier! Écoutez-moi, mon nom est Gershom. Je suis peut-être petit, mais j'ai des boules, j'ai grosses boules et une grosse hache. Oh merde. Oh, c'est ma mort. Aïe, aïe, aïe. Omae wa... encore mort. Gamé. Allez, on pote, voilà, finalement, deuxième try. Gershom, sorcier. Je suis toujours là. Enfin, je me sens pas trop ouf, hein. Je suis pas chaud, quoi. Hey, salut les gamers, c'est moi Mario et nique sa mère. Allez hop, c'est bon, c'est fini. Bienvenue pour le retour de Mario Maker, le mode histoire. Alors, on a déjà tout fait, regardez, c'est fini. Bon, c'est... salut YouTube. Ha ha ha, je déconne. On s'amuse bien. Sorti, son boum boum. Reste chat. Salut boum. Salut boum boum. Vous vous rendez compte que quand même, Waluigi n'a pas de place nulle part, mais Boom Boom, il est dans tous les jeux maintenant. Je vous dis, hein, on n'est pas à l'abri d'un Boom Boom dans Smash Bros au bout d'un moment. C'est pas impossible. Pourquoi faire l'apologie du capitalisme en aidant Toadette? Elle construit deux tours de plus vu que Mario paye et n'hésite pas à menacer de baisser le salaire des Toads qui bossent. Courage à Toad Rouge qui se tape tout le château. Eh oui, non, mais bien sûr, bah il se tape pas que le château, il se tape aussi Toadette, hein, du coup, mais vous inquiétez pas pour lui. C'est pas pour rien qu'il travaille là-dedans, dans le BTP. Je travaille dans le BTP. Au château est blanc de piège, j'ai même ajouté des bascules. Bonne chance à quiconque osera s'y fronter. Papa de garde l'anonymat. Le maître des arbres. Athènes est arrivé en ayant fait le poirier sur tous les arbres. Non mais sérieusement, mais... vous m'avez pris pour qui? Je suis pas un saltimbanque, moi. Va manger tes mains. Va manger tes mains. Alors, ça dégage. La racaille de Barcaille. Bah du coup, voilà, on a grimpé sur tes arbres. T'es content, Mario? Ça y est, t'as fait les cabrioles. Regardez-le. Il fait le... Super Mario. Oh putain, non mais fais pas ça Mario. Alors, paradis des bumpers. Bumpers qui bien sûr en français veut dire des rebondisseurs. Ah oui, ça va être agréable, ça je le sens. Oh, ça a mal passé. Nous ne craignons désormais plus la glace. C'est non. Comment ça? J'en veux une pièce. La pièce. Je suce pour une pièce. Eh ben voilà, on est à l'abri là, super. Regardez comme c'est beau, comme on s'amuse, c'est Nigloland. Quelqu'un connaît Nigloland ici? Nigloland, si vous voulez, c'est un petit peu comme Disney, mais sans les mascottes bien, quoi. Sans les attractions bien aussi. Oh! C'était presque incroyable ce que je venais de faire. J'insiste sur le presque. Des boum boum jusqu'au bout de la nuit. Alors ça... ça, c'est oui. Pouah, j'étais vraiment impressionné. Tiens-vous. Il a eu peur, il a pété. Est-ce qu'il vient vraiment de faire un bruit de paix? Est-ce qu'on en est à ce niveau de maturité? Viens là, boum boum. Ah oh mais non, mais le vent de merde. Ah oh mais il va mourir, il va mourir. Boum, je suis désolé. Ah. Ah oui, lui il est un peu... du coup il est un peu... Moi j'ai beaucoup de mu... Déchet. Ouf, très impressionnant. Tu sais quoi, je m'en fous. Allez hop, casse-toi. Je l'ai tellement pas respecté. Au bout d'un moment, boum boum, bon. Tu prends de la place, mais on a pas envie de te tuer quoi. Tu fais pitié plus qu'autre chose. Mais, nique ta mire. Ok, attends deux secondes, Luigi. Merci pour ton aide, Luigi. Tada!
Connard, j'avais besoin d'un cadre pour le tournage du clip de mon nouveau... de mon nouveau tube sur les fourmilis, alors j'ai fait ce stage, il me faudrait un volontaire pour voir si on peut le finir. Ça paye bien, il faut juste pas hésiter à appuyer sur Y. Donc là, c'est un clip, c'est ça? Là, on est dans le prochain clip de Booba. C'est dans ta salon, si. Je suis dans ta mère, la pute. Et c'est parti, je fais n'importe quoi. Mais que fait la caméra? N'importe quoi. Yes. Ah. Moi je m'attendais à ce qu'il tire juste pour le plaisir comme ça en mode allez, la Corée du Nord, allez, c'est parti. Salut les campeurs et les cœurs. On perd pas de temps et on commence tout de suite pour sélection sur le chapeau de roue avec un extrait du nouvel album dans notre thématique, la chanson Ta gueule Luigi. Ta gueule Luigi. Ta gueule Luigi. Ta gueule Luigi. Ta gueule, tu nous emmerdes. Et on enchaîne avec une petite sœur ici du même album. Ferme ta gueule Luigi. Ferme ta gueule, Luigi. Ferme ta gueule, frappé. Tu sais que je t'aime bien. Mais faut pas se foutre de ma gueule. En fait, je suis un peu comme cette moustache. Je ne tiens plus.